Saint-Paul Labomartin, ceux qui viennent témoignent, consécration, autres nouveaux évêques, révérend James Wong, un événement très important pour l'Église anglicane. Béni soit Dieu le Père. Sa cérémonie consécration est présidée par la CVK Yen Ernest, qui est responsable du diocèse anglican dans l'océan Indien. Sa service est aussi assisté par l'évêque sorti de différentes provinces Madagascar, aussi bien qu'ancien l'évêque Maurice, Monseigneur Donna, et ancien l'évêque diocèse anglican Cécile, Monseigneur French Anhim. À part de prêtre qui est basé ici même, c'est aussi un prêtre anglican sorti Rodrigue, la Réunion, l'Angleterre et l'Australie. Aussi présent pour assister sa cérémonie, c'est l'évêque catholique, Monseigneur Denis Vier, vice-président de la République, M. Joseph Belmont, les autres aux officiers gouvernement et famille, révérend Wong, inclus son madame et sont des enfants. Moi, James Richard Wong Yin-Song, choisi comme évêque du diocèse des Seychelles, promets solennellement d'enseigner et de maintenir la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, la doctrine et la discipline qu'il a transmise à son Église. Sa nouveau évêque qui apprécie sa bonne engagement qui t'in prononcé. Moi, l'évêque du diocèse, et tout ça qui... Les autres moments clés, sa cérémonie, si le temps est dormi à terre. Pour tout, même l'Église, bénis autres dans autres vocations et autres ministères, afin qu'ils autres servent avec la vie sainte, Seigneur nous prie. Mais plus important, si l'imposition l'emmêle ou son la tête, par tout bon l'évêque qui est là présent. Et maintenant, Père James, un évêque de ton Église, réponds sur lui l'esprit qui fait des chefs, l'esprit que tu as donné à ton fils bien-aimé Jésus-Christ. Et l'étant, la sévèque Ernest, qui passe de l'huile dans son lambin. Et l'étang, il va y mettre sa bague, l'alliance qui symbolise l'engagement qu'il fait avec bon Dieu. For Venerable James, to accept this charge, it means for him to leave. To leave the place where he's used to live. To leave the place he loves. To leave the people. That means a lot for him. And to go to a new reality. Because God has called him to a mission. Partir, quitter tout. And this will certainly be a challenge for him. But also a task to which God has called him. Today, by this ordination, this living becomes a reality. And as the disciple of Jesus Christ, with the people which God has entrusted to him, he is the servant as Christ himself has been. And as bishop, he would be someone who would act as a watchman. He would also be a pastor, a guide. Dans son sermon, la CVK Ernest aussi lance l'appel pour que l'Église, l'État et tout bon partenaire y travaillent ensemble dans l'unité pour bien-être les peuples. At this very moment I'm talking to you, there's a financial crunch which is really affecting us and also the Republic of the Seychelles. And the church will be called to encourage people to live with a spirit of solidarity, generosity, of sharing. And it is important that the church denounces, and I say it very strongly, denounces all forms of corruption and of excessive greed. Because this is what is deterrent to progress. And it might definitely be crucial to the life of the people. And would put at stake the future of this nation.
So church, state and other stakeholders of this country are called to be together. Après Monseigneur George Briggs, Fran Chang Him et Santosh Murray, Révérend James Wong y vint quatrième l'évêque anglican ici Cécile. C'est un sentiment de joie, un sentiment de la paix dans le cœur, capable de servir bon Dieu dans l'autre direction. Ça fait 26 ans qu'il me servit bon Dieu comme un prêtre. Et c'est maintenant une nouvelle orientation que me servit bon Dieu, comment un évêque être à la tête du troupeau ici au Seychelles. L'évêque Wong dit qu'il commence à partir son nouveau rôle et pour mobiliser les croyants pour jouer un rôle plus actif dans l'Église. Quand nous finissons de mobiliser du monde, nous sommes capables dans les temps pour qu'ils nous équipent les people of God, pour qu'ils soient du monde dans l'Église capable d'aspirer vers la perfection dans notre vie, dans notre ministère. Une troisième étape, c'est créer une opportunité pour qu'ils soient du monde capable de travailler dans l'Église. On appelle ça via empowerment. Que nous donnons l'occasion d'exercer notre ministère, qu'ils soient laïcs, qu'ils soient prêtres, pour être capables de servir mon Dieu. Et quatrièmement, nous tous nous connaissons aux Seychelles, il y a un problème comme la drogue, le sida, et dans l'alcoolisme. L'Église, quatrièmement, pour engager davantage, nous engager davantage à servir la société séchelloise pour un better Seychelles. Élection James Wong comme un nouveau évêque anglican Cécile, il a fait à travers un collège électoral dans les 38 provinces qui ont une communion anglican à travers le monde. Il a été élu de sa poste après 26 ans prêtre, ici basé Maurice, son pays natal.